Économique strict, chronique sociale illustrée. Le 27 avril de cette année, Monsieur Antoine Vidal, fondateur de l'entreprise Vidal, nous quitte brusquement à l'âge de 83 ans. Et les employés, que vont devenir mes employés? Vos employés? Mais monsieur Jacques-Olivier, entre nous, qui se soucie de vos employés? Paraît que c'est déjà vendu. Qu'est-ce qu'on va faire, mademoiselle Marthe? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons devoir voter la grève. La grève? Comme à la télé? Il est pour l'occupation. Bon. Qui est contre? L'occupation est donc votée à l'unanimité des voix exprimées. Déjà 3 semaines qu'on passe nos nuits debout, et on sera pas payé à la fin du mois. Hé, comment on va faire pour manger? Eh bien justement, nous ferons grève de la faim. Grève de la faim, juste après Ramadan, tu veux ma mort? Regardez ça, à France Télécom. Ouais. Il s'est pas dégonflé le gars, il est monté sur son bureau, hein? Il s'est passé une corde au cou, non. Et il s'est pendu au lustre. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut inventer pour qu'on parle de nous dans le journal? Et si on posait tout nu dans un calendrier? Arrête avec ça, Guy! Et pour la chorégraphie, on fait quoi alors? Alors là, j'avais pensé à 2-3 pas chantés! Et pourquoi ne pas faire une collecte en chantant des chansons? Ouais! Bon, bon, Vidal, ça va faire mal! Bon, bon, Vidal, pour les vieux gars! Bon, bon, Vidal, va y avoir du dégât! Résultat de la quête! 2,60€ et une garde à vue. Et si on posait tout nu dans un calendrier? Qui vous allez cesser avec ce fichu calendrier? Une séquestration! Enfin de l'action, les amis! Il a raison. Et si Adèle jouait le rôle de Jacques-Olivier pour voir comment on s'organise? Bande de gredins! Un patron ne se rend jamais! M'enlève! Quoi? M'en l'air, j'ai dit! Toi aussi, la sainte n'y touche! La solution, c'est les charades! Les gens qui voient de travers pensent que les bons verts qu'on voit sur les trottoirs s'en fait pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se décotent sur les bancs Vidal, bancs Vidal, bancs Vidal, en foutant pas mal du regard banal des passants honnêtes. Les amoureux qui se décotent sur les bancs Vidal, bancs Vidal, bancs Vidal, en disant des choses sentimentales, en des qui deviennent amicales. T'as 60 ans et moi 17, tu t'approches de la retraite, il te manque juste une grosse année pour
avoir toutes tes annuités. Bon, Vidal. Un plan social. Bon, Vidal. Ça va faire mal. Bon, Vidal. Pour les vieux gars. Bon, Vidal. Va y avoir du dégât.